montrer à quel point c'est facile et à quel point c'est ludique de s'amuser à se faire des ombrés sur vos cheveux. Je t'emmène avec moi dans la salle de bain. Je vais te montrer comment tout ça est facile. Alors Caroline, je vais d'abord te montrer comment on prépare le produit. J'ai choisi pour toi l'ombré numéro 2, puisqu'il correspond à ta base naturelle. Donc première des choses, on met la crème colorante dans l'oxydant. Avec une paire de ciseaux, on ouvre la poudre pour la verser délicatement. Une fois que c'est fait, on ferme la bouteille, on se coud bien. Voilà, le mélange est prêt. La chose qu'il faut faire, c'est mettre un peignoir ou un vieux t-shirt. Et ce que je vais te demander de faire, Caroline, c'est de démêler tes cheveux. Avant de commencer, il faut que tu te dises où est-ce que je veux mes petites touches de lumière. Alors, voilà comment tu fais. C'est très simple. On prend du produit dans la brosse et on vient, voilà, simplement faire pénétrer le produit. Et avec les doigts, on finit de faire pénétrer. On reprend une autre petite mèche, celle-ci elle sera très bien. Une autre. Et je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Mieux vaut aujourd'hui ne pas en faire assez qu'en faire trop. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. On va remettre un petit peu de produit. C'est formidable comme tu fais, tu vois, c'est très simple. Bravo. Ça va être très joli sur ta chevelure. Voilà. Écoute, moi je crois qu'il y en a assez. Je crois qu'il y en a largement maintenant. On veut quelque chose de naturel. Donc maintenant, on va laisser poser pendant 30 minutes. Je pense que ça va être bon pour le rinçage. Et comme je te l'ai dit, c'est formidable parce qu'avec le produit, on voit quelle est la décoloration. Donc là, c'est parfait. Là, le produit est parfaitement rincé. Maintenant, je vais pouvoir faire le soin. Donc vraiment, sur ta longueur, on peut mettre presque tout. Voilà, maintenant, on va pouvoir sécher. Écoute, c'est ravissant. Ce que je te propose, c'est maintenant d'aller au soleil, à la lumière du jour, pour que tu vois cet ébré absolument ravissant.